Revelation Season 1 Quidditch. Ça va, Charles Rollard. Hey, ça va très bien. Comment tu toi aussi, ouais, y a un câble qui perturbe mon avancée sur le platane. Bref, bien, puisqu'on a du gros PVZ et on enchaîne sur du PVZ. Tu vois, on n'aura pas droit au hey, match winner ZZ ou PVZ. Ouais. Non, on enchaîne sur les PVZ et ça, c'est bon. Non, mais c'est bon, effectivement. Là, en plus, on va avoir un gros match. On est en train de dire qu'il a montré contre DRJ a été solide et derrière un gros stomp de la part de Sou. Oh, qui, ouais. Voilà, qui montre qu'il est toujours. Il est toujours dedans sur Legacy of the Void. Maintenant, à voir s'il va pouvoir s'imposer face à un dire qui, on va le dire. Petite blague, c'est gratuit. Non, mais on va le dire. On dirait TKL. Allez, on la sort pendant qu'on a Clayce qui rejoint la route de put pour 4 mois. Voilà, je disais se retrouve vraiment en tant que gros joueur ace de chez Samsung en Pro League. Ouais, c'est aligné tout le temps. Il a retrouvé en fait toute sa splendeur. C'est vrai que c'était un joueur qui avait brillé, qui a remporté sa grosse GSL, qui a disparu après être passé chez Maus, qui a eu du mal à revenir. Mais là, ça y est, enfin, il est réinstallé et il fait très peur. Là où Sou, lui aussi, c'est le retour d'un champion, Monsieur 2014, 4 finales perdues, une cinquième remportée, mais c'était une caisse backup, donc pas trop majeure, voilà. C'est un monstre de joueur, et j'ai trouvé marrant son interview où il disait « Moi, j'ai peur des jeunes joueurs. Je pense que si je joue un joueur plus vieux que moi, je marche dessus, mais j'ai peur des jeunes. » Pourtant, il n'a entre guillemets que 23 ans, mais c'est là où les pro-gamers, ils commencent un peu à prendre la grosse tête. Ouais, à coincer un peu, je dirais, ou il commence justement à avoir peur des petits jeunes, tu vois, qui ont 16-18 ans, qui ont un peu trop d'APM, l'arcade speed, voilà, pour ne pas citer le joueur. En tout cas, sous un adversaire en face de lui, coriace, clairement à sa portée, Muldir partira favori, je pense que d'accord. Ok. Et donc ici, en rouge, ce joueur resplendissant, donc comme on l'a dit, 4 finales, 4 secondes place, un grand de la lignée. Ok, on est de retour. J'ai ton stream. Ah ! Merde, excuse-moi. Bon, du coup, ça fait double son. Ok, excuse. Tel temps que je garde, vu que moi, je savais pas dans le tour. Je suis désolé. Bref, nous avons donc pour la Kongline, le joueur Zerg Sou. Et du coup, c'est Zeratul le canon, Satan lui vole pas sa place. Il va arriver. J'ai tout ruiné. Est-ce qu'il est le Q1 Tessosaïs. Même Tessosaïs, là, il ruine pendant. Ouais, il respecte même pas le bon Zeratul, quoi. Et donc il est là le bon Sou qui a montré de la solidité, on l'a dit. Il va-t-il se faire souiller, voilà comme nous dit un bon petit viewer, bien vu. Et ici en droite de la map, il est Protoss, il s'agit de Samsung Galaxy. Dear. Ah, on l'a calé ce coup-ci, on était bon. The crowd goes wild. The crowd goes wild. C'est bien la petite attention de Tesla, ce qui va bien pour te remettre dans l'ambiance. Moi, je me rappelle les premières GSL où t'avais les groupes de K-pop qui étaient là. C'était génial, mais. Samsung Galaxy Can, pire. T'es là en mode. Qu'est-ce que je regarde, tu vois. Là, Zeratul, ça pèse plus, quoi. Boum. Ouais. Mais du coup, je crois que les groupes de K-pop, des filles qui viennent danser, il y en a sur les grosses finales offline. Ouais, c'est ils en remettent un peu quand même. Mais j'ai remarqué en suivant 2-3 streams coréens de LOL, oui, je suis un traître. J'ai remarqué qu'il y avait un peu plus de coréennes, de danseuses sur LOL. On nous délaisse, nous, sur StarCraft 2. On n'y a plus droit. Ah non. Le pire qu'il y a eu à Broad War, c'était il y avait une Star League qui était sponsorisée par Speedo, donc la marque de maillot de bain. Donc ils avaient le droit. En introduction de l'event, ils avaient le droit à un défilé d'un quart d'heure de maillot de bain en mode le truc qui n'a aucun sens, complètement déplacé. T'imagines d'avoir une finale de Coupe du Monde, genre t'as un défi de maillot de bain comme ça, t'es là. C'est ça. Tu t'étais là en mode. Parce que tu sais, bon, t'as un groupe de K-pop, t'as de la chanson. Bon, après, t'aimes le groupe, t'aimes pas, tu vois, mais t'as de l'ambiance. Un défilé. Non. Non. C'est refusé. Refusé, c'est ça. Bon, alors du coup, qu'est-ce qu'on va voir côté dire. On joue très greedy avec cette pose de Stargate dans le wall. Ouais, c'est la Stargate avant. Alors, on a quand même respecté, on a fait l'adepte, mais c'était avant le warp. C'est vraiment la Stargate ultra rushée. C'est,
Ça, c'est l'un des trucs qui fait le plus péter un câble à l'heure actuelle. Elle arrive tellement vite que t'as pas encore lancé tes drones que tu vas commencer à perdre de l'overlord, donc devoir les refaire, faire des spoilers, donc repère des drones. T'as même pas encore commencé la game que t'es déjà en train de subir des pertes. Hein? Ouais, ça, bon. je sens que tu vis souvent ça en ladder. Je sais pas pourquoi, mais je sens que Yogo sur ses streams, il est là, il fait oh non, en fait, il m'a encore fait Stargate. Mais justement, ces deux derniers jours, je comprenais pas pourquoi je faisais que me bouffer ce build là. Maintenant, je le sais. Bah parce que voilà. C'est à cause de dire. Enfin, c'est un build qui existe depuis un paquet de temps, mais voilà, il suffit qu'un joueur popularise le truc. Bien que moi, je ne l'ai bouffé qu'en version Phoenix et pas Oracle. Là, c'est peut-être une adapte pour dire parce que bon, la carte est grande, donc tu veux traverser vite, faire du dommage. Et surtout, tu sais qu'il n'a pas été scouté. Donc tu vas en mode, bah voilà, plutôt que de tuer un over, si tu peux tuer des drones, tu prends, vas-y, tu craches pas dessus, comme on dit. Oui. Donc on va voir, en tout cas pour le moment, c'est les deux premiers adeptes du bondir qui arrivent dans la troisième base. On a eu double clutch avant la poule, hein, by the way, côté sous, donc il joue bien macro. Est-ce qu'il va prendre un drone? Non, la micro. Du joueur Zerg de chez SKT est bonne, et derrière on rajoute deux gates, et on devrait normalement, dû notamment au fait qu'on soit sur une grosse position... Voilà. Avoir rapidement une troisième base pour tes Protoss. Et moi, ce qui me fait kiffer, c'est la connaissance parfaite du timing de dire. Il a pas cherché à faire des kills parce qu'il rentre à la maison pile au moment où le speedling va arriver. C'est tellement parfait. Et là, il croise avec l'oracle qui va arriver. Surprise, motherfucker! Ouais. Et bim, ça prend du drone. On va prendre déjà. Je pense qu'à partir de 5, c'est bien. Pendant qu'on a Bob, le bon Bob qui n'apparaît pas. Il est où, Bob? Bob Flankers? C'est... Ils n'apparaissent pas. Mais on retient, il est là, 8 mois. Voilà. Big up. Voilà. Merci à toi de nous soutenir. Et donc, du coup, l'oracle a pris 5 drones qui doit être toujours être en vie, je suppose. Oh ouais, il est là. 5 drones, c'est le minimum, je dirais, pour rentabiliser l'oracle. Après, le truc, ça dépend ce qu'on entend par rentabiliser. C'est-à-dire, si tu veux vraiment rentabiliser son coût de production par rapport aux dégâts que tu vas faire, je dirais qu'entre 5 et 6, c'était bien. Mais après, le truc est rentabilisé de toute façon plus tard, puisqu'il va te permettre de mettre des stats, etc. C'est ça, c'est juste une idée qu'il ne faut pas perdre en fait tout le long de la partie. Les adeptes qui vont traverser la carte en mode sneaky, là où on n'a pas cherché à insister sur du phénix. C'est ça qui est plutôt marrant, une sargette avec un oracle. Le bâtiment est là, mais non. Utilisé et c'est là où ça surprend. Donc le dire qui fait ouais, vas-y, je rajoute des queens, je rajoute des spoilers. Et en fait, l'investissement il a été fait au sol, blab de l'adepte. Il est obligé de répondre en faisant tellement de lignes. Il va refaire la même, c'est-à-dire les chiens qui repartent au milieu de la carte. Et c'est bien joué, heureusement qu'il l'a fait, hein. Sinon il aurait tout perdu. Voilà, les adeptes qui vont pouvoir s'enfuir, c'est propre. Et ce qui est intéressant, comme tu le disais, du fait de pas utiliser des phoenix, de pas utiliser la Stargate après l'avoir produite, c'est que là, je sais pas si Sou a surréagi, mais des fois, t'as des airs qui font ok, c'est fini, je vais mettre en mode 6 sports par 6 sports au total pour vraiment être safe. Là, comme il n'y a pas de phoenix, ces sports seront pratiquement useless en fait. Oh là là, mais c'est ça, hein. Et là, franchement, il fait halluciner, hein. Dire sur son plan de jeu, il est pour l'instant, il est parfait. Il fait peu de dommages. Enfin, il fait pas de dommages directs, mais il est créé indirectement en forçant production de sporuleur, forçant une production massive de Zerling qui ne sert désormais plus à rien si ce n'est éviter de reperdre du drone. Alors que l'oracle a repris quand même 2 kills, c'est excellent ce que fait le joueur Protoss sur cette game. Non, honnêtement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Là, le plan de jeu de dire est parfait et on voit vraiment la différence par rapport à Hiro juste avant. C'est là, on est vraiment sur un joueur qui sait ce qu'il va faire. Mmh. Vraiment, de la première minute de jeu à la dixième. Après, on s'adapte un peu plus, mais en tout cas, voilà. Là, ça se déroule comme il le veut. Ouais. Après, attention à pas se faire dropper une petite dizaine de Zergling dans la main, voilà, qui peut quand même toujours faire la différence. C'est ça en fait, j'annonçais un peu la perfection, finalement elle ne l'est pas puisqu'il manque le pylône ici, alors que l'oracle fait pousser tranquillement. Et j'adore en fait ces joueurs qui vraiment ajustent et vont avoir tendance à delay tout ce qui ne leur est pas utile pour en on va dire en rusher d'autres. Et là on sent qu'on a plus besoin d'un toi un comme d'hab du zélote, du plus un d'attaque, l'immortel, le gars il vise quand même loin. Oh, c'est vu, c'est bien joué. C'est énorme. C'est parfaitement géré, derrière les armes ici qui vont pas faire grand chose. Là, il y a juste à warper 3 ou 4 adeptes dans la ligne 2000 rébéliens, l'over qui meurt, c'est-à-dire que... What? Là il est pas censé perdre, genre un seul... Pas plus de 3 là-dessus. Et malheureusement il l'avait vu, mais il s'en rend pas compte. Alors est-ce que, à mon avis, il devait être en train de micro-gérer l'oracle, hein, puisqu'il vient de reprendre 3 kills, il voulait vraiment jouer sur la diversion. Là il gère très bien, on n'a pas faibli sur le wall, maintenant les Zerglings sont en train de gagner pas mal de temps, mais du temps... Quoi. On pose une quatrième base, on est sur du pur roach d'Aralisk pour le moment. Même pas de roach, hein, mais l'upgrade est lancé, donc on imagine que ça va être du roach, Ravager Hydra pendant que Nero. Enchaîne sur son 8ème mois, big up. Poulet, et donc du coup, là on a un dire qui est bien dans sa game, qui a ses 64 probes, qui va aller chercher son petit style de jeu, Zilot, et il part Storm. Là c'est intéressant, parce qu'on a vu à la game précédente que Storm était pas fort contre leur cœur. Ouais.
Mais ça tombe bien, puisqu'on n'a pas de lurker côté sous. Et est-ce que c'est une lecture de jeu? C'est ce qui est dingue, c'est est-ce qu'il a lu dans le jeu de son adversaire, auquel cas c'est quand même assez dur. Est-ce qu'il a fait, ok, il n'y a pas de battle lurker, on part de ce postulat là, il peut pas y avoir de lurker, on part ce temps. Ouais, ouais, non mais c'est énorme justement, c'est ce que je remarque en fait beaucoup chez les protoss de haut niveau, c'est les ajustements où tu te dis, enfin tu connais le plan de jeu protoss de base, mmh. Et des fois tu dis, non mais il le respecte pas, et en fait c'est juste qu'ils ajustent parfaitement pour le cas. Est-ce que Kalio s'en chère ? C'est ça, sur son 9ème mois, et honnêtement voilà, tu disais les ajustements là pour l'instant sont parfaits, on va avoir ce qui est, je dirais, avec peut-être un ou deux disrupteurs de plus, l'armée la plus forte face à du ravageur tout simplement, Roach Hydra. Et il met pas l'accent sur l'Hydra, hein. Il part sur énormément de Roach, le bon sous là-dessus, 174 de pop. Ok. Ok, ok. On arrive, on va commencer à taquiner de la Queeness. Voilà, pour l'instant on la boit, on gagne pas mal de temps. Et ça c'est le pire truc du monde quand tu es Zerg, c'est tu veux attaquer. Et là le mec t'attaque avant. Non, il y a un prisme transfert, ça va te forcer à laisser de l'unité à la maison. Même en laissant, tu sais que bah, voilà, t'es susceptible de prendre des dommages parce que le prisme peut bouger les adeptes aussi. Et le protoss qui pose B4. Alors là, ça va c'est greedy. Là, voilà, c'est... Il va falloir défendre maintenant, c'est bien, t'as la store, mais le Zerg vient de chercher avec un 200 ouais, de pop. Mais j'aurais quand même tendance à dire que l'armée de Dire est super imposante, on le voit, 4 immortels, une 6 achetées, donc environ plus de 5 ou 6 storms qui vont être disponibles, les farfits qui sont quand même très très propres. Le problème c'est que les îlots sont un peu bloqués, on esquive bien les builds corrosifs pour l'instant de la part de Dire, et la fight qui se passe très bien pour le protoss, les storms qui vont arriver derrière. Mais ouais, pour l'instant c'est absolument pas contesté, le prisme transfert lui, oh là, lui kill. Tellement au taquet sur lui, le dit, ah, c'est pas qu'il gère de l'autre côté aussi, il a peut-être manqué quelques storms, elle va arriver. Oh, les builds qui sont fait plaisir sur les sentinelles, mais ça n'ira pas plus loin, les storms zonent beaucoup trop. Et le gros problème c'est que là, sous, c'est limite un all-in ce qu'il fait genre, ouais. il a de l'écho, il a de quoi riprod, mais son battle lurker est super light. Bon là il s'est un peu stormé sa propre tête, ouais. Le bon dire. Mais derrière un tir qui sécurise une B4 à 9 minutes de jeu, c'est quand même super early. Et au niveau de l'écho il est même devant, enfin bon, là j'ai du mal à comprendre comment sous va gagner cette game quoi. Mais c'est ça, en général c'est pression, il faut commencer à tuer l'unité coûteuse. Donc il a dégagé quelques archontes, il a pris un peu d'eau templi, mais il va falloir aller plus loin. Maintenant, tant que le protoss il gère à la perfection ce prisme transfert, c'est vrai que tu ne peux pas tout commettre sur cette attaque parce qu'il faut aussi défendre chez toi. Et puis là, on voit qu'il a pris absolument tous ses roaches, donc il n'a plus rien pour défendre chez lui. Voilà, ça va être surprise encore une fois. C'est ça, Randa. Et il est génial de dire dans son jeu parce qu'à la fois il est agressif, à la fois il macro, il met toujours la pression, il est toujours là et pas là à la fois. Et attention, triple potion poussée photonique là-dessus pour se défendre. Et l'armée dessous qui, mine de rien, même si elle est puissante, elle est vachement dépendante des connexions de Bill Corrosive. Et là, les storms qui font très 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 mal. Et il ne va quasiment plus rester que de l'immortel. Et les shields ont déjà été activés. Attention, là c'est la phase très délicate pour le joueur protoss qui pourrait se faire bourrer toutes ses unités coûteuses. Et s'il Zerg arrive à ravitailler suffisamment, ça pourrait le faire. Là, c'est chaud. Non, mais c'est chaud. Je comprends pas comment dire arrive à lose cette fight. Il était tellement bien. Mais quoique, derrière la micro, avec les quelques Hydra en renfort qui mettent en fait sous tellement bien. Ouais, tout perdu. Il a tout perdu. Il a plus qu'un seul immortel. Et s'il va pas perdre la game simplement là-dessus, on a 32 points d'avance désormais du côté de chez Sou. Mais derrière, on a contre-attaque deux Zealots qui font bien mal, qui font peut-être la différence. Le Protoss qui est dans ses derniers retranchements, qui est à même de perdre son troisième Nexus. Dès qu'il a une quatrième base, ça lui ferait tellement mal. Mais qu'est-ce que c'est propre de la part de Sou. C'est dingue en fait, ces fights ont vraiment été bien gérés. La bonne concave qui a été prise à chaque fois. Et même si derrière il prend cher au niveau des run-by, ouais, il a fait quand même le travail. Alors attention, puisque ce n'est pas fini, il n'a pas réussi à faire de réels dégâts économiques à son adversaire. Donc on est toujours sur 68 propres B4, donc ouais, ça varie prod. Mais il a fait une très bonne opération. Et là il y a les 65 de DPS qui arrivent. BIM. Ça y est, l'immortel et 3 d'attaque. Ouais. It's over dude, it's over. Battle d'été aussi. Trop tard. C'est bon le battle d'été à ce moment-là, je trouve. Oui, bah, quand tu repousses ton adversaire, que tu sois, on va dire, quelle que soit un peu ta situation, quand ça a été le merdier et que tu arrives à poser un battle d'été, t'es bien. Parce que le bâtiment lui-même te coûte pas cher et t'as l'option qui s'est débloquée. Et même si le mec a masse, bam, tu lui mets le petit d'été, ça va le faire stresser. Et tu peux continuer à gagner du temps. Et là il est vraiment remonté au niveau de la pop, hein. Regarde, là ça veut dire il y a pas si longtemps que ça, il était vraiment en retard, les APM qui sont au rendez-vous, mais il y a pas si longtemps que ça, il était vraiment en retard au niveau de la pop, genre il y avait 40 de pop de retard, tu vois, et là il est déjà en train de réduire l'écart avec ce prisme, cela dit, l'écart qui va s'agrandir. Mais ouais, mais comme on peut le voir, c'est le premier prisme qui tombe, hein. Donc le gars ça faisait un paquet de temps qu'il joue avec, et c'est ce qui me fait le plus halluciner chez dire, c'est que ok, il est propre en défense, en même temps que le protoss de ce niveau-là,
ne l'est pas. Ouais. Mais par contre, réussir à cumuler, être propre là et micro-gérer sa population de l'autre bout du terrain, c'est énorme. Parce qu'il fait pas le warp de Gogol, Vanzelot en mode j'ai cliqué sur le hatch, je l'ai fait disparaître. Non, j'avoue, c'est des tout petits warps pour avoir le maximum de bombes chez lui, mais qui était bien micro-géré. Bim, on y va ici avec du Roach Rally jusqu'au Dali Storm pour pousser le joueur Zerg qui prend la douche. Encore et encore, mais c'est le Protoss qui finalement va peut-être venir à bout d'énergie. Ouais, mais je trouve que là, Thierry s'est peut-être un petit peu avancé, il est sorti en dehors du range de ses pylônes. Et du coup, Zerg s'est fait plaisir, soit réalisé, certes, un bon split, mais derrière, il a pris, je pense, assez de storm pour permettre à dire de remporter cette fight. Et ça, le Zerg, il a su faire la conquête parfaite, profiter au maximum du DPS des unités. Maintenant, la fin de fight est quand même très, très douloureuse. Mais il a encore une fois tué de l'immortel de l'Archonte. Il trade bien. C'est ça, en fait, il y a un Zerg qui trade et c'est le but du game. Même si on voit que l'économie est en train de faiblir, Sou ne transitionne pas parce qu'il sait qu'il n'y en a pas. Grosso merdo, le match-up s'arrête à la phase Roach, Hydra, Lurker, point barre. Il n'y a pas de transition réellement viable à l'heure actuelle. Broodlord, c'est quand même puissant. Sauf quand tu es en avance. Quoi. Sur un scénario standard, il n'y a pas de... Ouais. Si t'es even et que c'est compliqué de transit quoi. Tu vas mourir. Ouais, le mec va te go et. Voilà, c'est pour ça que Sou il est en train d'insister parce que voilà, il faut continuer à mettre du rythme. Le mec il a déjà tout son tech, il a une unité ultra coûteuse, il y a plus moyen de transitionner. Il faut y aller. Il faut réussir à l'arnaquer sur un positionnement abusif de leur cœur et c'est faisable. Hein. Ça se fait. Ça se fait, surtout que la B4 là de dire est quand même B5 pardon, est quand même très exposée. On est sur une map où la B5 est dure à prendre. Ouais. Elle est éloignée de la B3, éloignée de l'endroit où on veut positionner habituellement son armée. Après attention parce que là dire, même si on a eu un trade Limo plutôt efficace depuis le début de cette game, d'une il fait des bons round by de l'été et qui plus est il a son nombre d'Imo qui monte là. Mm-hmm. Alors derrière on a enfin du lurker, mais ceux qui foutent le bordel sont là, les deux les bim, les 11 kills de drone qui ont complètement sapé l'économie du joueur Zerg, le faisant passer en dessous d'un point de vue récolte. Il est en train de perdre ses bases et c'est pas cool pour lui. C'est chaud, c'est chaud. Honnêtement, il a peut-être la petite fenêtre qu'il a eue pour gagner la game. Il a pas riprod assez et surtout la map qui est très grande ne lui a pas permis de s'imposer et du coup c'est le GG. Dire il est hallucinant. En termes de multitask, il est chaud. Le premier prisme transfert qui pendant 8 minutes balance des cycles de warp. Comme je disais, hein, des petits. À chaque fois, 2-3 unités, 2-3 unités soigneusement gérées pour maximiser les dommages. Dire, il me fait halluciner. Là, en termes de niveau de jeu, en PVZ, je ne sais pas si j'ai réellement vu mieux. Patience me paraît bien dingue aussi. Bonzès, on ne l'a pas trop vu dans ce match-up-là. Mais dire là, il est tellement fort. Non, honnêtement, comme tu le dis, vraiment impressionnant. On a Stork qui vient encourager son élève. Après, il est vrai qu'on ne va pas se le cacher. Dire est quand même un peu meilleur que Stork. C'est un petit peu l'élève qui dépasse le maître là parce que... C'est ça. Il faut se l'avouer qu'il a vraiment montré du très beau jeu sur cette première game. On va se lancer tout de suite pour la deuxième sur Lerilac Crest. Vous voyez, les deux joueurs sont prêts. On boit un petit coup de café côté... C'est ça. ...dessous. Mais... Il y a aussi un problème, c'est comme tu l'as dit, de bons run-by, des petits warps qui font du dégât, et derrière un Sou qui ne refait pas forcément ce drone qui vient de perdre en fait. C'est ça. Il était trop en mode agression et à aucun moment en fait on l'a senti vouloir poser la game, transition non possible, on va dire de manière descendre dans le match-up, donc il a cherché à tuer, mais il y a un moment où bah si vraiment tu refais pas tes drones, tu te fais. Ouais, il pouvait pas tenir quoi. Donc il manquait peut-être un peu d'anticipation sur les DT, mais en même temps, ça enfin, quand tu cherches à tuer adversaire, devoir mettre deux spines en sport sur une base, c'est relou. Mais on voit que les DT font... Oh là là, oh. Bref, nous avons ici, en haut à droite, un joueur qui est en train de faire un pole 12, qui est-il? SK Telecom, T1, 2... Yeah, that's definitely a mix. Et il est là, le bon Sou, avec sa poule 12, il va essayer d'aller recoller au score en tentant la grid. Face à ici, un joueur qui, vous le voyez, mène à 0, il est Protoss en bleu. Samsung Galaxy, Deal. 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 C'est le big deal. Et il le balance, tu vois, genre c'est Deal. Deal. On rigole pas. Ouais. On rigole pas avec le dire. Mais en même temps, c'est vrai qu'il a pas rigolé sur la première game. Oh là là, il voit directement son adversaire. Très bon move. Et là, le truc, c'est qu'il va scouter immédiatement le build de son adversaire. Et ouais, pool 12, petite feinte là de Stu qui doit être déçu puisqu'il lui a vu la sonde avec son overlord. Non, je veux me faire ma paix tellement fort. Et là, tu fais pourvu qu'il a fait Nexus faire pourvu. Non.
Non, on a. Oh là là, et puis il y a l'ouverture double gate. Oh, tellement. Oh. Et il va être déçu. Oh, yeah, yeah, yeah. Ouais. Ah, dans le jargon, c'est ça. On parle de déception infinie. On tue une sonde là. Il s'est tellement fait cramer qu'on va se limiter à 6 airlines et derrière, on va poser les hatches. Alors, 2 ou 3. C'est vrai que si t'en veux une troisième là à défendre sans gaz face à un mec qui a ouvert double gate. C'est chaud, ouais. Oh là là, ça va être le 2. J'ai du mal à comprendre ce pylône parce qu'il vole rien du tout. Mais je pense que c'est pour faire peut-être un double wall. Moi je pense pas forcément que tu peux faire un double wall, mais c'est en mode si tu me surènes mon premier pylône et que tu me le tues, au moins mes gates sont alimentés. Alors je pense que c'est ça le délire. Après, je pense qu'il est pas sûr. Si t'as les sorts d'angle à la con, ouais, peut te faire pousser. Ben... Là c'est droit, tu vois. Ah non, mais j'avoue, en fait, il avait pas wallé. C'est autant pour moi. Il a mal wallé avec ses deux gates en fait. Bon, pas mal, c'était peut-être un choix, mais en tout cas, c'était pas wallé avec ses deux gates là. L'écart est trop gros là. Ouais. Alors qu'on a finalement les trois bases face à un build double adepte. Bam! J'ai la chef, mon cher Sou. Il fait peur quand il arrive comme ça. Non, là vous ne le voyez pas, mais. Pour ça qu'il vient de gronder en fait. T'es comme le professeur, tu vois, t'es en train de faire ton devoir tranquillement et t'as le prof qui se ramène à côté de toi. T'es, il te regarde pas forcément, mais il te met la pression juste de. Tu vois, d'être là. Tu te dis que t'as peut-être fait une connerie. Donc peut-être te tenir à carreau, mais. Bon. On va voir, mais en tout cas il n'y a pas de deuxième Nexus pour le moment à côté d'IA. Et le truc, c'est qu'au bout d'un moment, quand t'as 3 hatch face à 0 Nexus, bon là on va voir le deuxième, t'as moyen de te mettre vachement bien au niveau écho quand même. Alors après voilà, le problème c'est de défendre face à ces deux premiers adeptes qui sont en train d'arriver, qui vont aller mettre le dégât dans les bases. Est-ce qu'ils ont été vus ces adeptes? Ouais. Oh lolo. Lolo. En chanson avec Yogo, tous les soirs sur Gaming. non, il faut practice la chanson hein. Bref, nous avons donc Bim de la Sentinelle lancée derrière pour être sûr et on continue. Oh là, il va, bam! Et cette fois-ci, c'est la réelle. Ouais, c'est ça, là. Juste avant, c'était un petit. Pour doser la situation un peu. Et là, maintenant, il y va. Oh, le surrend de la depth. C'est très très bon pour Sou. Qui va ne perdre que 3 drones là-dessus. Et c'est vraiment propre. Genre, 3 drones, c'est pas énorme. Peut-être que la depth va y faire les frais aussi. Bah, il va mourir dans la main. Ouais. Oh, et là, je pense qu'il rigole. Tu n'as pas le gaz, pas le gaz. Comment est-ce que tu vas faire, hein? Tu fais des drones, petit coquin. Quel moment il y aura du Rodge, la Valing, des trucs comme ça. Sou qui était contraint hein, de faire un build greedy comme ça, alors qui mérite d'être sanctionné. Parce que si tu le laisses vivre, le Zerg, regarde-moi ce nombre de drones, assez infâme, tu t'en oublierais presque qu'il y a une ouverture du spool. Hein. Ouais, mais voilà, clac niveau écho. Bah, c'est le coup d'avoir pris très rapidement une troisième base qui permet de droner vite et face à un Protoss qui lui délaye en plus son Nexus. Donc l'écart est d'autant plus grand que les deux joueurs font des builds similairement différents en termes d'écho. Oh, c'est mignon. Ah ouais, alors ça, c'est le truc. Faut être ambitieux. Hein. Tuer un over avec des. Même t'as 20 sentinelles, moi. Je tenterais pas le move. Hein, c'est... Ça prend 10 000 ans. Le DPS, il est. Il est de combien? 6. C'est 0,70 donc ça doit faire 9 peut-être de DPS. C'est ça, c'est pas la folie comme on dit. Mais en tout cas, bon, on a un. Même si c'est pas la folie et même si Dir a pas testé Ballard, on a un Dir qui joue bien macro, qui rapidement met la troisième base. Et finalement, même si niveau écho, bon, il a un gros retard, sa B3 arrive rapidement, tu vois. Et en plus, il va tech rapide sur du disrupt, donc c'est très intéressant. Il change son style de jeu par rapport à la game précédente. Mais ça, il y a beaucoup de Protoss qui préfèrent le disrupteur sur cette carte-là. Je pense que c'est aussi pour éviter les contains. La grosse difficulté sur celle-là, c'est poser B4. Ouh, le Zer, il vient de siéger et tout, c'est chiant. Si t'as le disrupteur et que le mec, il se met là, tu le balances des boulettes. Et tu peux. Je dirais, tu peux tenir des games avec moins d'économie. Que quand tu joues Zealot, Archonte, Immortel, où tu vas quand même donner beaucoup d'unités. C'est tu donnes, t'échanges. Il faut par conséquent du pognon. Donc quand tu joues sur une carte genre Dusk Tower, tu poses la B4, il n'y a pas trop de soucis. Celui-là relax, c'est la merde, donc tu vas chercher des unités qui potentiellement sont plus cost-effectives. C'est pas simple de gérer du disrupteur, c'est pas le meilleur style, mais je pense que c'est le plus adapté à la carte. Ouais, c'est vrai, comme tu dis, le siège de B3 qui est juste infâme avec potentiellement les cailloux qui sont cassés, couvrant un accès à la B3, enfin bon, c'est quand même pas facile. Et Sou qui, bon, a toujours pas amélioré sa répartition de creep, les petits versus, c'est assez étrange là ce qu'il nous fait avec ses 4 sentries, dire, c'est un truc qu'on voyait beaucoup sur HOTS, mais là, sur LOTV, c'est beaucoup moins viable. Ça n'a pas vraiment de sens, mais il montre toute sa maîtrise, hein, le mec, y a pas de speedling, attends, j'y vais avec 4 sentinelles. Moi, je m'en fous, j'y vais, les gars. Voilà. C'est vraiment pour. Là, les trucs comme ça, les joueurs comme ça, j'ai envie de les insulter quoi. Le gars te fait ça en ladder, tu sors avec 4 sentinelles, mais t'es complètement malade. Qu'est-ce que tu fais?
Et là, t'as la fameuse réaction. Non, mais il est une chier, le mec, contre qui. Non, mais tu sors avec 5 drones, c'est la même. Toi, tu sors pas attaquer à Protoss avec 5 drones. Le mec, il sort avec 4 sentinelles. Pourquoi? Non, mais il a raison, en fait. On va le faire, c'est tant que tu maîtrises, tu vas. Mais il a quand même flingué toute sa banque d'énergie. Ce qui aurait pu lui servir dans d'autres circonstances. Après, on parlait du Disru, on parlait de ce siège de leur cœur. Ce que je trouve compliqué avec du Disru, c'est quand le Zerg est bon et il a le temps, il a assez de leur cœur, il sépare vraiment leur cœur un à un, comme on a vu faire contre Hiro. Et là, après, t'es con avec tes 4 Disru à envoyer 2 bouboules pour en tuer un, 2 bouboules pour en tuer un autre, et t'en as encore 15 devant chez toi, quoi. Donc après, t'es de toute façon basic, tu peux pas engager. Genre, le Disru est fun dans le sens où en milieu de carte, sur un mec qui se déplace sur la moindre erreur d'un joueur Zerg, bim, tu viens sanctionner et tuer la moitié de l'armée. Mm. Mais sur une situation de siège avec des disrus bien spread, ça reste compliqué. C'est vrai. Des lurkers bien spread, pardon. Complètement d'accord avec toi. C'est une fois que le Zerg vient de siéger, que lui, son économie est intouchée, il peut se permettre dans la chaîne de 3 du lurker s'il le remplace par 50 000, au moins, évidemment. Donc, on perfecte le haut là, entre le caillou, les pylônes, on remet de la guille derrière, on va être sûr. Maintenant, là où c'est ultra risqué chez Dire, c'est qu'on a qu'une seule robot. Donc on est vraiment dans un setup où tu guides. En gros, il perd les disrupteurs, c'est la merde, quoi. C'est ça, tu perds le disrupteur, tu perds la game. Mais ça lui permet de faire des trucs en plus, donc de bien enchaîner ses upgrades, d'aller chercher une Dark Shrine. Mais c'est vraiment du kit double. Effectivement, derrière il y a l'économie du joueur Zach qui est là, hein, florissante comme on dirait de nos jours, 78 drones, on approche des 80, quand on arrive à 80, c'est là t'es bien, genre t'as déco sur 4 bases, maintenant faut viser à pas faire trop de drones non plus, ouais. Hein, sur un LETV où on max rapidement l'armée face à un Protoss qui lui va rester bloqué à 60, si toi t'as 85 drones, bah t'as évidemment moins d'armée. Et là, c'est dit, on va avoir ce fameux setup où on veut go, mais les disrupteurs sont quand même assez bien paquets, on envoie les petites boules. Oh, c'est propre. Oh la vache. C'est propre. C'est très très propre de la part de Dire. Les force field derrière sont vraiment bons. Bah, c'est propre, mais en même temps catastrophique. C'est le pire scénario en fait en tant que Protoss où tu dois blink tes stalkers, mettre des champs de force, mettre un bouclier gardien, balancer des boulettes. Il y a trop de trucs à faire. Alors là, c'était Panic Land, mais effectivement, ça a été bien fait pour la situation dans laquelle il était. Maintenant, il a quand même foutu les pieds à un endroit où il savait pas que c'était un peu marécageux, quoi. C'est ça, attention, les deux boules de sauter. Oh, ça fait très très mal là-dessus. On a un Dire du coup qui avance. Après, voilà, la pop 190 contre 140. Faut faire attention, mais ça c'est round-by, ça peut tellement obliger le Zerg à bouger son armée, à dessiéger un Zerg en fait. Ouais, le Zerg il a du pognon. La réponse la plus sympathique contre ça bien souvent, ça s'appelle Mutalisque. D'où la joue, voilà, de la Stargate quand même, au cas où, on met la deuxième au robot aussi. Et je regarde qu'ils s'enterrent peut-être un petit peu sur son deck, non? Parce que même comme tu dis, voilà, quand t'as le speed parfait, il faut deux boulettes pour un lurker, mais il y a un moment où... Enfin, c'est bien d'avoir une contre-bas. Oh, il va charger! Oh, il est là! Il a pas de recall! Il pourrait le broyer ici! Les parfaits sont excellents de nouveau! Et donc, du coup, ça permet à Dire de temporiser un maximum. Il ne perd aucun disrupteur là-dessus. Ouais, ouais. C'est tellement parfait. Bon, les Ilotes, par contre, ils ont décidé de danser la lambada sur le creep. C'est marrant, ils ont toujours la concave du prisme. Mais donc, du coup, ça ne sert pas à grand-chose. Cependant, le petit double front a été créé. On voit 30 bas des Ilotes qui va se débarrasser du battle arcœur. Très bien joué de la part de Dire. Oh lolo. Mais Elzer, en fait, c'est pas ce qu'il fait là. Enfin, il y a du pognon, il fait son setup, mais c'est là où t'aimerais voir peut-être bien un Nidus ou un drop, enfin un truc pour pas se faire malmener comme celle-là, parce qu'il a du pognon, mais sans gonfler le tech. Ouais, bah. Sans harass, quoi. Contrairement à Don Grégoire qui tout à l'heure. Enfin, il envoie la patate, hein, il est tout le temps en train de faire des choses, mais il subit, c'est génial parce que il était devant et en fait il est dans une situation où c'est lui qui aurait dû un peu mener la game et en fait il a subi complètement. Oh, il va perdre la B4, les force field, oh mais il s'est fait rouler dessus, les force field qui sont parfaits. Attention, les sur des disrupteurs qui vont transformer les force field. Oh là là, qu'est-ce qu'il fait? Et là voilà, on a plus de boulettes de disrupteurs pour l'instant. Mais derrière on va peut-être prendre 3 Chooser Zerg, ça va être tellement compliqué. La bonne révélation, oh là là, je suis choqué là. Oh, il s'est fait marcher dessus sous 135 de pop face à 100, le joueur de chez Samsung qui va aller choper le 2-0 et la qualif en round of 16 qui va avec, c'est tellement parfait. Mon dieu, regarde les films qu'il a. Oh là là. On dirait Gourou. Le mec il a mal il n'y a pas de larmes. Ah non, mais là je suis choqué. Parce que souvent dans le match-up, tu sais, moi je suis en moins beaucoup sur le match-up. Oui, mais le Zerg il peut rien faire. Mais là il était bien, le Zerg de fou. Mais il a 78 drones. Il a rien fait, pas parce qu'il ne pouvait rien faire, mais parce qu'il a sciemment fait décider de ne rien faire. Pourquoi est-ce que tu rajoutes pas genre 2-3 spines? Parce que limite, il vient de péter les spines avec 2 boulettes.
Mais il a mis deux boulettes dans Spine et pas dans un lurker déjà. Ouais. Donc tu, sur l'axe principal d'attaque, tu mets deux Spine en sport, tu mets un Spine genre sur ta B4, et tu... Je sais pas, tu fais le drop ou... Alors le Nidus, ça c'est coûteux, mais drop, toi. Tu mets 4 Hydra dans un drop, le mec il a pas de Phoenix. Dès qu'il sort sur la map, bam, tu lui mets 4 Hydralisques dans le... derrière la ligne de minerai. Tu le sapes, parce que là il y avait le setup où le Z c'était je suis un contain, je l'empêche de poser B4 et on va trade. Ah ouais, mais faut voir plus que ça quoi. Ouais, bah, en fait, bah faut multitask, faut faire des choses. Là je suis un peu choqué, déçu. Alors dire excellent, et franchement la première game elle est monstrueuse. La seconde, souille, c'est quand même laissé faire quoi. Ah, mais sur la seconde on n'a pas senti. Genre. Il a pas été agressif un seul moment, il y a eu juste ce 12 pool, mais qui a rien fait, et en plus, on l'avait noté, il avait un bon avantage, genre avec ce triple hatch derrière, il passe devant au niveau de l'écho, il monte à 80 drones, et il monte, du coup, 80 drones qui lui donnent un income, on l'a vu de fou, hein, il est à 2000 de thunes à ouais. la fin, mais il dépense pas son argent. C'est ça. Donc est-ce que c'est, voilà, il a du mal à s'adapter peut-être à la macro des LOTV? En tout cas, il est moins impressionnant que sur HOTS, ça c'est sûr. Je suis d'accord. En termes de macro, c'était puissant, mais en termes de plan de jeu, c'était quand même un petit peu à redire. Pendant que Jerga, là, bien sûr, on t'a vu. Hein, t'as cru passer l'aperçu, et non. On t'a vu. On te remercie. Du coup, donc ouais, un sou qui mécaniquement est puissant. Maintenant, ça manque un petit peu d'imprécision. Moi, en fait, le mix parfait, ça serait, tu vois, donc Grigou et sou. Tu mixes les deux. Petit mix, macro, micro. La folie de Don Grégou, c'est ça, avec tu vois, le l'aspect mécanique est posé de dessous, en mode il y a trop, il y a beaucoup de pognon. Toi, tu mixes les deux et t'as un peu le joueur parfait. C'est ça. En tout cas, Don Grégou, qu'on va retrouver face à un héros qui a oui. vraiment. Alors, est-ce qu'on pourrait dire décevant? De toute façon, héros, voilà, je pense que déjà, arrivé en round of sortie toute codesse, c'est pas forcément le joueur qu'on attend le plus. C'est ça, en fait. C'est l'un pour des moi, joueurs qui. En fait, on en attend. Enfin, on en espère beaucoup. Alors, on n'en attend pas énormément, mais on espère beaucoup parce que Hero, c'est un joueur emblématique oui. de la scène. Je veux dire, mais voilà, pas de Team Kespa, il part de chez Tivoli Coup, t'es là en mode. On espère qu'il va y avoir du gros jeu, mais tu vois, s'il nous déçoit, on serait là, bah. Okay. Bon, on pouvait éventuellement s'y attendre. Ouais, mais ça fait chier parce que Hero, c'est. Ouais, non, mais c'est un mec cool, etc. Un mec de la scène qu'on a vu depuis longtemps, mais quand tu dis on en espère beaucoup, est-ce qu'on a vraiment à en espérer beaucoup de quelqu'un qui, on va pas dire, est un peu rouillé, mais voilà, qui a quand même une carrière très longue, tu vois, on peut le dire. Ça... Regarde, là, tu vois, les pioles, les sous, ils sont arrivés comme ça sur le milieu d'HOTS, ils étaient pas là au début de Ball. Alors, voilà, on peut se poser la question, est-ce qu'ils étaient quand même dans la scène coréenne, vraiment dans les. Dans le deep de la scène coréenne. Après voilà, Hero c'est un mec qui est là depuis longtemps, qui a fait des belles choses. Il a pas été très là non plus sur la fin d'HTS. Donc voilà, est-ce qu'on peut en attendre beaucoup? Je pense qu'on a plus à attendre d'un Sou qui a été monstrueux durant l'année dernière que d'un Hero qui de toute façon ça fait 2 ans qu'on l'a pas vu perf en Corée, qu'on l'a pas vu perf. Donc c'est plus ça. Mais comme tu dis, ça fait toujours chier de voir Hero qui est quand même un joueur qu'on aime bien, qui est resté dans les cœurs. Mais je pense qu'on va avoir un match quand même super sexy. Ne serait-ce que si Don Grégou nous ressort le style qu'il a balancé tout à l'heure, genre multitask, allez, on envoie de l'unité partout, c'était bien stylé. Donc voilà, prochain match, Hero contre Don Grégou, le loser match. Et le vainqueur de celui-là ira dans le Decider pour affronter Sou, puisque l'IA est donc déjà qualifié. À